Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour la suite de Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Donc il va encore y avoir une épreuve rêve, je la vois en bas, mais avant ça il faut qu'on s'entraîne puis qu'ensuite on aille faire l'épreuve normale qui est la gymnastique rythmique, quelque chose comme ça. Oh, nage à la brasse, on l'a déjà fait, non? Non, c'était le 100 mètres nage qu'on avait fait, quelque chose comme ça. Alors, utilise le microphone, encore. Alors, nager, souffle dans le microphone, d'accord. Donc ça va juste être soufflé, faut pas crier. Alors, what? Oh, quand la tête sort, ok. Ok. Tard, non. What? What? J'ai gagné ou pas? Non, je suis deuxième. Je n'ai rien compris à cette épreuve. Vous avez pas l'impression d'être en retard pourtant. Bon, on va gagner des trucs quand même, c'est ce qui suffit. Ah, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Quelle classe? Oui, merci, bravo. Donc 7 points et 100 pommes. Ouais, bon, ça me paraît moyennement bien quand même. Allons voir là-bas, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, c'est quoi? Hein? Alors, cible volante, ok. Perfectionne-toi au tir, tire sur les cibles dès qu'elles apparaissent pour un score élevé. D'accord. Donc j'imagine que ça va être la gyroscopie, comme d'habitude pour ce genre d'épreuve. Voilà, utilise le bouton et bouge la console pour jouer. D'accord. Déplace la console, appuie sur R ou L. Pose ta console et patiente un court instant si le truc est instable. Vous êtes sérieux? Ok. Donc, alors, attendez. Ouais. Oh là 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 là. Mais elles sont vraiment mouvantes, ces cibles. D'accord. Ok. Bon, pour l'instant, aucune de loupée. Ça va. Comment ça, 2 sur 2, c'est pas fini? Il y en a encore? Non! Non! J'ai loupé. J'en ai loupé une. Allez. En fait, ça va être jusqu'à ce qu'on en loupe 5, c'est ça? Ok. Bon, en vrai, j'ai l'impression que la précision est quand même vachement assistée, parce que je suis sûr que j'en louperais plein si c'était en vrai. J'ai plus de balles! Ah non, c'est qu'on a que 2 balles! C'est pour ça! Ah, d'accord, ok. Pas simple. Ok. Ouais, mais c'est quand même assez... Comment ça? Ah, le premier, il a que 100 points? Bah, c'est bon. Bon, pourquoi on gagne que 10 points, par contre? Y'a pas moyen d'en gagner un peu plus? Genre, si on réagit un peu plus vite, ou je ne sais pas quoi. J'adore ce genre d'épreuve. C'est trop simple. Mais il y avait la même sur Mario... Waouh! Sur d'autres Mario Sonic, mais là par contre j'ai complètement loupé. Je dis que c'est trop simple au moment où je me fais avoir. Ok. Non! Bon bah c'est perdu. 150, ça va, c'est correct, l'autre il a fait que 100. Et voilà! Yes! Nouveau record en plus! Rien que ça. Voilà! Quand est-ce qu'on gagne de nouvelles étoiles là? Ça fait un bail. Première place, waouh, quel talent, hein, sans faute. Merci. J'ai gagné 10 points et 120 pommes, merci. Mais oh, voilà, plus un niveau. Merci, donc j'ai gagné, j'ai 2 étoiles maintenant. Bravo, tu as gagné un niveau. Tu peux peut-être porter de nouvelles tenues maintenant, va jeter un oeil. Je sais que je peux, c'est pas... c'est pas peut-être, c'est oui, je sais. Alors, tenue... donc... on peut? D'accord, ouais, ok. Bon, j'ai l'air ridicule, mais au moins j'ai une tenue qui vaut 11 étoiles à peu près. Enfin, elle en vaut 10 et demi, mais... Enfin, ou 11 peut-être? Non, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un téléporte. Juste à côté. Voilà. Un bumper de Sonic. Pourquoi ils ont pas mis des tuyaux? On est dans le gymnase Mario, là. Fallait mettre des tuyaux. Sérieusement. Ils ont rien contre le jeu. Ouah, pourquoi ça nous a emmené jusque là-bas? Bon, bah, on s'en fout. On va revenir là-bas. En bas... Où est le stade? Ah, ok, tout là-haut. Donc là, c'est quoi? Didi, qu'est-ce qu'il va proposer? Entraîne-toi à toutes les situations! Entraîne-toi au handball! Déplace-toi rapidement pour défendre le but! Ok. Alors le handball, par contre, c'est pas le genre de truc où je suis fort. Hein. Les jeux d'équipe comme ça, vous avez bien vu au volet, c'est pas vraiment mon... Déplace le pas de circuit. Oh, bah ça va, c'est juste défendre. Donc c'est du random, quoi. C'est carrément du random. Ok, je dois bloquer les tirs, alors. Ok. Comment je vais savoir? What? Ok, d'accord. En fait, c'est juste réagir au bon moment. Ok. Ouais, ça va, c'est pas si dur. Mince.
Oh là là là. J'en loupe trop. Oui, j'en loupe trop. Ok, j'ai combien de points là? 13 points. Bon, j'ai gagné, mais j'ai l'impression d'avoir fait une performance quand même assez pitoyable. Et heureusement que j'ai eu le ballon là, arc-en-ciel, parce que c'est lui qui m'a rapporté tellement de points. Cool. Alors, on en est où des points là? Faut que j'aille voir le statut aussi. Entraînement terminé, cool. Super, tu as fini la première place! Voilà, j'ai gagné 10 points, merci. Alors, info, on est où? Allez, info, voilà. Niveau 4, prochain niveau 109 points. D'accord, pas tout de suite. Alors, allons voir donc bah, la vraie épreuve. L'épreuve de gymnastique rythmique. Il me semble que c'était ça qu'on devait faire aujourd'hui. Enfin, c'est gymnastique quelque chose. Ou rythmique quelque chose. Ou gymnastique rythmique. Bref, alors c'est où? What? Pourquoi la map, elle est pas... What? Ah non, ça, c'est les bumpers. Je regarde le mauvais truc, en fait. Mais alors, on va où? Il est où, le terrain? What? Parce qu'en bas, c'est... Ah, peut-être que c'est l'épreuve de rêve, finalement. Bah non, il est là, le gymnase. Mais il y a personne. Ah, faut parler à Orbot, c'est vrai. Au Cubot. Les éliminatoires vont commencer. As-tu choisi une tenue et fini tous les préparatifs? Ouais, c'est parti. Allez. Donc, comment ça va se jouer, ça? Je me demande. Éliminatoire. Contre Blaze. Ce serait dommage d'arrêter l'aventure ici. Remporte la victoire et affronte-moi pendant la finale. On va voir. On va voir qui sera le meilleur, de toute façon. Alors. Ok, donc utilise les boutons pour jouer. Fais des figures grâce à diverses commandes effectuées en rythme avec la musique, obtient le meilleur score sur chaque morceau. Ok. Farandole. Allez, franchement, forcément Mario, en normal, allez. Alors, acrobatie, ok, comment c'est? Ok, what? Tout. What? Ok, d'accord. J'avais pas compris, quand c'est pas marqué, c'est dire qu'il faut faire le même, c'est ça? Bon, jusqu'à maintenant, c'est pas si simple, enfin, c'est pas si compliqué. Parfait! En fait, le truc qu'il y a dans le fond, c'est juste une déco, quoi. Ça n'a rien à voir avec le mouvement qu'on est en train de faire. C'est dommage qu'ils aient pas mis un peu plus de décor. Parce que dans Mario et Sonic, au jeu. Enfin, à Sochi, que j'avais vu, auquel j'avais joué, il y avait justement une espèce de patinage artistique. Et là, il y avait une mise en scène qui était vachement cool. Mais à mon avis, ils vont le faire sur Wii U. Parce que le jeu va aussi sortir sur Wii U, mais pas tout de suite. Genre à la fin de l'année, je crois. Yes. Ouais, ce genre d'épreuve, c'est jamais bien difficile. Enfin, en même temps, je joue pas en expert, donc je rigolerais peut-être moins en expert. Mince. J'en ai raté un. Mais par contre, c'est le genre d'épreuve où on ne peut pas savoir si on est en train de gagner ou pas. Parce que le classement, il est donné à la fin, donc on ne peut pas savoir. Yes. Donc peut-être que je choisis en épreuve Sonic, alors, pour la fin. Parce que ça va être une musique que je ne connais pas. Parce que la musique Mario, on vient de la voir, donc... Et ce genre de truc, moi, j'ai jamais vraiment l'impression que c'est en rythme. Ok. Yeah. Yeah. C'est bon. Bon. Est-ce que c'est une bonne prestation? Je ne sais pas. À vous de juger, dites-moi. 12, c'est tout? C'est finalement pas tant que ça par rapport aux autres, j'ai l'impression. Bon, c'est bien quand même, mais... What? Ah, une vidéo, mais cette fois qui n'est pas complètement saccadée. Phase éliminatoire finie! Yeah! Tu peux utiliser le pâte... Oui, je sais. Alors, vers... Non! Pourquoi je suis revenu au menu principal? Je voulais faire suivant. C'est malin. Alors, de retour. Renonce à sauvegarder, quand même. Bravo pour avoir passé les éliminatoires. Quelle performance superbe. Alors, comme ça, tu as réussi à passer les éliminatoires. Bien, j'en suis ravi. On s'affrontera pendant la finale. Rendons ce face-à-face inoubliable. Fais ton mieux pour rester en forme pour la finale. Ne t'inquiète pas. Par contre, pour ce genre d'épreuve, à quoi ça sert d'avoir une meilleure tenue? Parce que la tenue que j'ai, est-ce qu'elle me fait gagner plus de points? Bon, si c'est le cas, c'est vraiment pas juste, mais bon. C'est peut-être le cas, d'ailleurs, vraiment. Alors, qui en combat? Peach? Non, Harmony. L'épreuve de gymnastique rythmique extra offre une nouvelle dimension à la performance artistique. Veux-tu te joindre à moi? Ensemble, on pourrait faire un spectacle splendide. C'est parti.
Faisons un spectacle splendide ensemble. Alors, on y va. Mettons le cap sur l'épreuve fantastique de gymnastique rythmique... gymnastique rythmique extra. D'accord. Wow, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça va être? Là, il va peut-être y avoir une mise en scène, en fait. Ouais, qui a pas l'air quand même d'être aussi cool que celle qu'il y a dans ce Sochi. Alors, Wonderworld... Bah, voyons voir Wonderworld. Elle est normale. Difficulté, 5 trucs. Ok, et elle est où, là, Harmony? Elle sert à quoi, là? Elle est pas là. What? Ah, j'avais oublié de relâcher. Enfin, de maintenir. Ok, je connais pas la musique. Ouais, enfin, ça change rien de connaître pas la musique. Parce que je suis sûr que si c'était Mario, ce serait pareil. C'est compliqué, c'est tout. Oh, j'ai une jauge dorée, à quoi... Oh mince, j'avais oublié. J'avais oublié de maintenir. Ouais. Ok. C'est cool. Mais j'oublie vraiment toujours de maintenir. Je sais pas comment ça se fait. La jauge dorée, c'est quoi? C'est une jauge de parfait? On dirait. Ouais. Parce que là, je suis en mode doré. Ah, donc genre, je gagne plus de points, c'est ça? Bon, j'ai loupé encore. Je sais pas si je vais... Si ça va être correct au niveau des points à la fin, mais parce que j'ai l'impression d'avoir quand même sacrément loupé. Mince! Pourquoi j'oublie toujours de maintenir? C'est cool, ces moments d'accélération, là. Allez, yeah! J'en loupe trop. J'arrive pas à faire de chaîne. C'est vraiment pas cool. Yes! Enfin la jauge dorée. Mince! Ah, oh, j'ai relâché trop tôt encore. Ok, yes! Oulala, c'est 13 points? C'est tout? J'ai fait que 13 points? C'est nul! Et elle a fait 16 harmonies. On va essayer de faire la même, mais sur Mario. Ça va peut-être être plus facile. Ouais, c'est pas simple cette épreuve. Oui, bon, je sais. Pas la peine de m'humilier encore plus. Allez, donc faisons la même sur Mario. Même si je pense que ça change pas grand-chose. Enfin, ça sera peut-être plus simple, mais bon. Ouais, allez. C'est parti, je me joins à toi, allons-y. Essayons l'épreuve Mario. Voilà, gymnastique rythmique Mario. Ok. Faut juste que j'oublie pas de relâcher... Faut que je maintienne les trucs quand ils me disent de maintenir. Oh, c'est plus facile! Et est-ce qu'on a plus de points si on va en expert? Peut-être. Faudrait essayer en expert si je perds encore. Tout. Oh non, encore une fois, j'ai oublié de maintenir. Sérieux, je suis maudit avec ça. Ouais, c'est plus lent quand même. Donc c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile pas parce que c'est Mario. Juste parce que c'est plus facile, c'est tout. Yes. Marrant. Ouais. Je m'en sors beaucoup mieux. Wow. Ok. J'ai loupé. Mince. Comment je fais pour louper? Parce que quand il y en a trop, en fait, et bah, j'appuie trop vite. Allez, on est reparti en jauge dorée. Que je ne veux pas quitter de sitôt. Yes. Tout. Ok. Ouah, wow, bien. Yes. Non, j'ai loupé. J'étais allé trop vite. Et ça paraît quand même fou parce que j'ai perdu mais de beaucoup de points. C'est pas comme si j'avais perdu de 3 points quoi. Enfin, si, j'ai perdu de 3 points. Mais 3 points c'est beaucoup sur ce truc. C'est pas comme si le score il était sur 1000 ou sur 100. Donc je sais pas comment faire un score aussi bien que ça. Dans... Enfin, faire 15 quoi. 18 ? Ok. Bon, bah finalement si, c'est bon. C'est bon, c'était pas si difficile. C'est juste que voilà, comme je maintenais jamais, c'était quand même super compliqué de faire des bons points. Non, oui, pourquoi je... Oui, si, il fallait faire suivant, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire, Harmony? Tu peux désormais incarner ce personnage? Oh, bien. Quelle performance éblouissante. Je n'oublierai jamais la beauté de tes mouvements. Je rêverai de pouvoir faire encore mieux la prochaine fois. Viens me voir quand tu veux. T'inquiète, je viendrai. Alors, donc, allons... Bah ici, voilà. C'est bon, maintenant qu'on a...
Harmonie. On peut faire l'épreuve finale, entre guillemets. Enfin, l'heure de la finale, oui, c'est bien ça. Gymnastique rythmique finale contre Blaise. Enfin, on va pas l'avoir joué, Blaise, de toute façon, vu qu'on va voir que mon épreuve, mais bon. Nous y voilà, faisons de cette rencontre un événement inoubliable. Je te préviens tout de suite, je ne vise pas un score en dessous de 12,1 points. S'il n'arrive même pas à ce niveau, alors tu n'as quasiment aucune chance. D'accord, mais il faut que je fasse 12,1. Je pense qu'on va refaire Mario. On va faire le normal, le truc qu'il y a au-dessus. Parce que j'ai vu qu'il y en avait 3, c'est quoi le premier? Je sais plus. Farandole. Ok. Non. Réessayons Sonic quand même, laissons une deuxième chance à Sonic, ça se trouve on va y arriver. Donc 12,167. Ok. Ok. Bon, pour l'instant ça ne se passe pas si mal. Ouah, ça va vite par contre. C'est Sonic, c'est normal. Donc la seule différence entre cette épreuve et l'épreuve extra, c'est qu'il y a une jauge dorée pour l'épreuve extra. C'est ça? Ok. Ils sont vachement foulés. Hein. Ok. Bon, pour moi, c'était pas vraiment parfait l'autre coup, mais s'ils le disent. Yes! Ok. Pour l'instant, sans faute. Pas une totale parfaite, mais... Il y a eu quelques super, mais quasiment, mais enfin en tout cas sans faute, c'est bien ça. Yes. J'ai loupé là, non? Non, c'est bon. Je pense que j'ai loupé alors que je fais un parfait. Bien. J'aime bien louper de cette façon. Ouais, ok. Mm-hmm. Cette musique, elle est dans Lost World, non? Il me semble, parce que je crois l'avoir déjà entendue. Et comme j'ai pas joué à beaucoup de Sonic, si elle est dans un Sonic, enfin si je la connais, c'est que normalement elle est dans Lost World. Ou Heroes, mais non, on dirait pas. Bien, mince. J'ai loupé avec un bien. Dommage. Parfait. Là c'est la fin. Yes. Combien? 15,199. Là je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je l'ai éclaté, Blaise, elle avait aucune chance. Et bien c'est cool. Yeah. Voilà. Suivant. Pourquoi j'essaye de revenir vers le menu principal à chaque fois? Alors. Blaze. Bravo, tu m'as battu. Tes mouvements s'enchaînaient avec une grâce incomparable. Je t'observerai lors des épreuves à venir. J'attends d'autres prouesses de ta part. Bravo pour ta victoire en gymnastique rythmique. 3 médailles d'or d'affilée, impressionnant. À ce rythme-là, tu vas sûrement gagner d'autres médailles. Continue de briller. Normalement, les médailles d'or que tu gagnes sont exposées dans le hall des médailles. Mais il y a un problème. Je crois qu'il est temps d'avouer. Quel problème? Bien, laisse-moi expliquer. Oh. Toutes les médailles d'or gagnées par Mario et Sonic au fil des années étaient bien là. Mario et Sonic sont entrés dans le hall avant le début des jeux. Mais quoi? Mais à ce moment-là, tout avait disparu. Si les gens s'en étaient rendus compte, ça aurait créé une véritable pagaille. Alors Mario et Sonic ont fermé le hall pour éviter la panique. Il faut que les gens se concentrent sur les Jeux Olympiques de Rio. C'est ennuyeux pour les médailles, mais grâce à tes succès, les JO ont mis tout le monde de bonne humeur. Si seulement tu pouvais faire aussi bien pour le reste des épreuves. Mais je peux, ne vous en faites pas. Ok, donc il y a un truc terrible qui se passe en ce moment là. Ouais, ça rigole pas là. Il y a un méchant qui a volé toutes les médailles, ou deux méchants. C'est bizarre, hein, on sait pas qui c'est. J'en ai absolument aucune idée d'ailleurs. Très curieux. Bon. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il va nous... L'épreuve du jour du saut. Oh, ok, voilà, on parle de l'épreuve du jour. Bon, et eh bien alors on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, un peu plus court que le dernier, parce qu'effectivement, là, cette fois, l'épreuve, c'était un truc bien plus court. Je préfère les épreuves courtes que les longues épreuves, parce que c'est quand même assez répétitif, toute une... Enfin, du volet sur tout un épisode. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt cette semaine pour la suite de Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Salut !